Good morning, Aleiden, tu seras aujourd'hui l'Elohim Nishmat, Nissim ben Aouda, Sarah Batran Rachel, et Shimon ben Eliaou Vekuka, ainsi que les refouats Ari Akiva ben Shachar, et Raphaël Zvulun ben Chayam Alea Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Misha Kotek Tel 5 minutes éternelles, nous étudions Maseret Avot, Perek, et Mishnah Zayin, Shiv'a Devarim Bagolem, Veshiv'a Bechacham. Chacham eno medaber bifnei mi shehu gadol mimenu bechokhma uveminyanu. Veno nichnas letoch divrei chavero. Veno nivhal lehashiv. Shoel ka'inyan umeshiv kahalacha. Vomer al rishon rishon val acharon acharon. Val ma shelo shama, omer lo shamati. Umode al haemet, vechilufehen bagolem. La Mishnah nous enseigne, sept choses ont été dites, sept qualités, ou sept atouts, et le contraire aussi, qui ont été dites pour, en comparant, cette différence en fait, pour comparer le chacham du golem. Le chacham, c'est l'homme sage. Le golem, c'est assez compliqué à traduire le mot golem en fait, c'est littéralement un golem, golmé à kelim, c'est de la matière première, qui n'a pas encore pris de forme. C'est un, d'accord, par exemple du bois, du fer, un morceau de fer. Et là, en l'occurrence, on veut parler d'un homme. Un homme, il doit se parfaire et atteindre une forme spirituelle, une allure, des bonnes midotes. Et le golem, c'est celui qui n'a pas encore, qui n'a pas encore été bien façonné et traité. Donc, il est pour le moment, c'est un gouche de terre avec une échama insufflée dedans, mais il n'a pas encore bien taillé son bonsaï, si on veut dire. Alors, en tout cas, ça, c'est le golem, d'accord. Et quelles sont donc les sept qualités? La Mishnah va énumérer les sept qualités, les sept bonnes midot du Chacham, et va finir en nous disant, ben, le contraire chez le golem. Premièrement, Chacham eno medaber bifne mishehu gadol mimenu bechokhma ou beminyan. Le Chacham, l'homme sage, ne parle pas devant celui qui est plus grand que lui, bechokhma ou beminyan, celui qui est plus sage, et Beminyan, littéralement en nombre. En nombre de quoi? C'est interprété ici dans le Mefarshim, qu'on parle d'années. C'est-à-dire, il a un équivalent. D'abord, s'il y a quelqu'un qui est plus grand que lui en Chochma, et qu'on va poser une question, qu'on va soulever une question, il ne va pas se mettre à parler, il va plus être réceptif, il va avoir honte de parler. Il va plus vouloir, de nature, vouloir apprendre plutôt que de se montrer, à la différence du golem, que l'Agma nous dit. C'est comme une boîte de tzedaka vive, kish kish karia. Lorsqu'il y a deux petites pièces dans une boîte de tzedaka et qu'on la remue, ça fait plein de bruit. Et une coupa de tzedaka qui est bien bien pleine, et ben on la remue, elle fait pas de bruit. La même chose avec les hommes et la chokhma. Plus t'en as dans la tête, moins tu parles. Plus tu parles, moins que t'en as, alors t'es obligé de montrer que t'as un petit quelque chose à l'intérieur. Ou ve'eno, deuxièmement, ve'eno nichnas letor divrei chavero. Et lorsqu'il dialogue avec quelqu'un, alors, ou que... Il ne rentre pas à l'intérieur de ses paroles. C'est-à-dire, quelqu'un qui est en train de parler, de poser une question, de vouloir expliquer, je ne vais pas commencer à l'interrompre constamment pour ne pas l'embrouiller. Je vais le laisser finir, je vais patiemment attendre qu'il finisse d'exprimer tout ce qu'il a exprimé, et puis après je vais lui répondre, je vais l'aider, j'attends qu'il arrive à une fin de paragraphe au moins. Mais pas, dès qu'il commence à parler, je lui réponds. Ça, c'est un golem. Et il ne se précipite pas pour répondre. C'est-à-dire, même quelque chose qu'il connaît déjà la réponse. C'est dur à voir, c'est triste quoi. On voit des fois des gens qui sont prétendus être chacham, avoir des connaissances. Dès qu'on leur pose une question, ils n'attendent même pas la fin de la question qu'ils ont déjà répondu. Genre histoire de dire, je suis un beau gosse, moi je suis toutes les réponses. 2 minutes, c'est pas grave. Chouïa. Patiente un petit peu, écoute la question, vérifie que ce que tu vas dire c'est juste. Tu parles pas pour rien. T'as le poids des mots. Donc de ce fait, tu ne parles pas pour rien, tu es sûr de ton coup, et donc tu parles qu'après avoir bien écouté, avoir bien réfléchi posément. À part ça, Shoel ka'inyan ou Meshiv ka'alacha. Constatez que là, il y a deux vertus qui sont en fait comptabilisées comme une seule. D'où la difficulté à interpréter de quoi on parle exactement. D'abord, littéralement, Shoel ka'inyan, il pose une question en rapport avec le sujet, ou Meshiv ka'alacha. Et il répond comme la halakha, comme la marche à suivre. Donc, deux choses qui sont évoquées. Le Vadaï, que le focus, il est surtout sur le Shoel Kainan. Il pose une question en rapport avec ce qu'il étudie. C'est fréquent, malheureusement,
On va aller dans un cours de Torah, de Gemara, alors là c'est le pire, surtout si tu dis une ézéchine avec en cours et en ambiance, directement le rabbi va à peine commencer à parler, l'autre va lui parler du contrat de la grand-mère, elle avait signé avec l'arrière-cousin en lui posant des questions. Reste ici, on est dans un sujet ici, on parle de là, on ne va pas ailleurs. Ça c'est le chacham, il pose Shoel Kainian, il pose des questions en rapport avec le sujet qu'il étudie, il ne va pas ailleurs. Son côté qu'à part ça, bon, il y a à part ça une autre raison, même par rapport au rav qui répond. Lui-même, il va se faire répondre, il n'est pas toujours posé dans tous les sujets de la halakha. Donc pour le moment, on est en train d'étudier c'est halakhot là, tu ne vas même pas poser une question ailleurs. Et Meshiv Kalakha, il répond comme il se doit, comme la halakha, comme la marche à suivre. D'où, c'est un problème. Parce que si on comptabilise ça, si on continue à parler du golem, du chacham lui-même, alors il y a un problème, c'est que ça fait deux vertus, donc ça fait huit choses qui ont été dites dans le chacham. C'est pour ça que le Bartanoa préfère expliquer que Meshiv Kalakha, c'est la suite. Parce qu'il pose des questions qui sont en rapport avec le sujet étudié, alors le Rav qui lui répond, c'est le Rav qui lui répond Meshiv Kalakha. Grâce à ça, le Rav il lui répond en lui donnant la bonne marche à suivre sans se tromper. Si en ce moment on est en train de parler des Ilchot de Ribit, et que d'un coup je pose au Rav une question compliquée sur Shabbat, eh bien il est fort probable que à cause de ça, il ne va plus répondre la réponse juste. Parce qu'en fait, il va mal considérer, il va oublier qu'en fait, c'est vrai qu'il y avait deux avis qui étaient rapportés, mais que le premier avis il avait plus de voix que le second. Il est plus bien mounard, bien posé dans l'autre sujet sur lequel tu lui poses la question. Donc en fait, c'est comme ça. Il shoel kainyan pour que meshiv kaalacha. Il pose la question en rapport avec ce qu'il étudie afin qu'on lui réponde kaalacha. C'est une première interprétation. Le Tiferet Israël, il n'explique pas. Il fait plusieurs pilpoulim où il explique le principe général, en tout cas, évoqué dans le Tiferet Israël. Il rôde autour, il propose deux pshatim en fait. Mais le principe général, c'est de dire que le chacham, il ne parle pas pour montrer sa sagesse et sa force de faire du pilpoul. C'est-à-dire, je peux poser une question en vous disant que si on considère le fait d'après le Rajba, avec le Rabbi Akiva Eiger qui a parlé là-bas, et puis selon le Maharit El Ghazi qui a parlé ailleurs, et puis après je vous fais une super question. Oh. C'est pas une question kainyan, une question directe. C'est une question qui rôde trop. Et la même chose aussi, Meshiv Kalakha, c'est la même vertu de directement lorsqu'on nous pose des questions, il ne va pas nous faire entrer dans tout son pile-poule. Il va essayer d'être concis et clair en donnant des conclusions nettes. Parce qu'il ne parle pas pour se montrer, à la différence du golem. Il dit sur le premier, sur le deuxième. C'est-à-dire, lorsqu'on lui pose trois questions, alors il va répondre à la première question, puis à la deuxième question, puis à la troisième question. Il ne va pas commencer ensuite à tout mélanger. Dans la mesure où c'est trois questions distinctes. Parfois, les trois questions ne forment qu'une seule question, en réalité. Mais si c'est trois questions distinctes, alors il va les répondre dans l'ordre. Bien sûr, le Bartanoa, si ça vous intéresse, faites-le, vous verrez qu'il rapporte sur chaque petite vertu, il rapporte une source de la Torah. On remarque que les gens en Chachamim de la Torah, ils étaient comme ça. Ensuite, « Ve'alma shelo shama, omer lo shamati » Sur une chose qu'il n'a pas entendue, qu'il n'a pas appris, alors il n'hésite pas à dire que je ne l'ai pas entendu. C'est-à-dire, le Bartanoa, je crois que c'était le Bartanoa, exactement. Le Bartanoa, il interprète ça qu'en fait, lorsqu'on va me poser une question de halakha, alors, j'ai deux manières de répondre. Soit parce que j'ai reçu cette halakha, je l'ai lue, je l'ai apprise, donc je vais dire, oui, c'est comme ça c'est écrit. Mais il y a des fois des questions qui sont plus explicites, mais que je vais devoir déduire avec des déductions qui ne sont pas toujours forcées, mais en tout cas, à la première vue, mon premier sentiment, il est que c'est permis, que c'est interdit, parce qu'en rapport avec cette halakha-là, il me semble que comme ça. Alors, lorsqu'il tranche une halakha de cette manière, il n'hésite pas à dire que ce qu'il est en train de dire, il le dit misvara, selon sa réflexion, afin que si l'autre, toutefois, va douter, il va partir poser la question à quelqu'un d'autre, on va lui dire le contraire, on va lui dire non, c'est écrit le contraire, il ne va pas commencer à se dire qu'il y a deux avis. Il va se dire, mais non, pas du tout, il y a un seul avis, et l'autre, il avait une svara, il pensait que la logique était comme ça, mais finalement, sa logique, elle n'était pas assez logique. D'accord ? Umode al ha-emet, il reconnaît la vérité. C'est-à-dire, lorsqu'on rapporte ça, et le partenariat rapporte par rapport à Moshe Rabbeinu, qui avait fait un reproche, c'était dans la paracha de Acharemot, ou plutôt Bayom HaShmini, ouais, dans Shmini, il a fait un reproche à Aaron, pourquoi, bref, par rapport à un corban qu'il devait manger, qu'il a préféré brûler, pourquoi il n'a pas mangé, il fallait le brûler. Alors, du coup, Aaron lui a répondu. Et lorsque
Aaron a répondu à Moshe Rabbeinu. Donc vous imaginez bien, Moshe Rabbeinu, le grand maître, il se fâche contre Aaron dans un moment très délicat où il y avait Nadav Avihu qui était mort. Et c'était, il y avait beaucoup de stress, beaucoup de pression dans l'atmosphère. Et il, en colère, il dit à Aaron, mais pourquoi vous avez brûlé ce corban? Il fallait le manger. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous voulez vous, entre parenthèses, vous voulez vous aussi vous faire brûler? Et qu'est-ce que vous faites? Et Aaron lui répond, mais non, il n'y a aucun rapport. Est-ce qu'on a brûlé le ski? Est-ce qu'on a mangé? On l'a mangé parce que telle ou telle raison. Est-ce qu'on a brûlé? C'est pas parce que telle ou telle raison. On avait raison de le brûler. Et le passage qu'il dit, il continue en nous disant, Vaishma Moshe Vaitav Benav. Il a entendu Moshe Rabbeinu Vaitav Benav. Ça l'a apaisé. Ça l'a conduit à lui dire, ah, tu avais raison. Excuse-moi, je me suis énervé pour rien. Quelle force de dire ça et quelle beauté de dire ça. Au lieu d'essayer de s'enfoncer dans son erreur et de justifier pourquoi malgré tout, il est modèle et maître. Et tout ce qu'on a dit, Chiloufen, Bagolem, tout dans le golem, tout le contraire de ses vertus se trouve dans le golem. Je vous rapporte une petite histoire si ça vous intéresse. Officiellement, d'abord, on a fini le chiour. Ceux qui sont pressés de partir au travail, eh bien, partez, tant pis pour vous. Ceux qui veulent une petite histoire très rapide, c'est avec Reb Shlomo Zalman Auerbach, justement, par rapport à la dernière Amida de Modé à la Emet. Lorsqu'il est parti passer son Mivran, lorsqu'on l'a invité à devenir au Shishiva de Kol Torah, alors, on lui a demandé de faire un chiour klali, de faire un cours devant toute la Yeshiva réunie. Et donc, il a proposé à faire un très beau cours. Et il s'est passé que quelqu'un en plein milieu lui a posé une question. Et Reb Shlomo Zalman, il a fermé les yeux, il a réfléchi à la question. Et au bout de 2 minutes, il a dit, très bonne question, j'arrête le chiour ici. Donc il s'est avoué quelque part vaincu. Et il est reparti. Et il a dit, bon, il est rentré chez lui. Et quand il est rentré chez lui, il s'est dit, ben, Canerik, je ne vais pas avoir le poste de Rosh Yeshiva parce que j'ai eu l'archoum devant, j'ai à peine commencé à parler au bout de 10 minutes, 12 minutes. Et tac, on m'a posé une question et j'ai refermé le livre. Et puis après, ben, il s'est avéré que justement, les rabbanim de Kol Torah l'ont rappelé, l'ont dit non, on te veut à toi justement. Et ils l'ont rappelé, et ils l'ont dit, dis-nous, Bémet, qu'est-ce que. Quoi. Il y avait une réponse assez évidente apparemment, un chilouk, un distinguo assez simple à faire par rapport à la question qu'il t'a posée. Et leur journée, il leur a dit comme ça, je vais vous dire, j'ai pensé à 3 éventualités de réponse. J'avais 3 distinguos à proposer, ou 2 ou 3, je ne sais pas. J'avais. Mais. Je sentais que ce n'était pas Emmet, qu'il n'y avait rien à faire. La question, elle était assez pertinente pour être considérée avec beaucoup plus de sérieux et de vérifier est-ce que ça ne remettait pas en cause tout le mahalar que j'avais proposé. Et dans ce cas-là, je n'avais pas d'intérêt à donner une belle réponse. Si ce n'est pas Emmet, ce n'est pas Emmet. Et les Rochechivot de Kol Torah, enfin ceux qui l'avaient invité à devenir Rochechivot, ils ont dit justement c'est bidouk pour ça qu'on te veut à toi. Et du coup, il est rentré à Kol Torah, il est resté Rochechivot jusqu'à la fin de sa vie. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov. Salam.